Déposez dès maintenant votre intention de prière au 0892 46 00 12. Nous la présenterons pour vous à la grotte de Massabielle. S'il vous plaît, Notre-Dame de Lourdes, intercédez pour moi, Thérèse, auprès de votre Fils Jésus, pour me guérir des acouphènes et de la déprime. Merci, Notre-Dame de Lourdes. Sainte Vierge Marie, je vous demande une prière particulière pour toutes mes amies atteintes du cancer, Angèle, Chantal, Denise, Gérard, et surtout pour Michel Delpech. Merci. Sainte Vierge Marie, je viens te confier Catherine, qui doit subir demain une intervention chirurgicale très délicate à la tête. Je te demande d'être près d'elle, de la protéger pendant l'intervention et surtout de guider la main du chirurgien afin que l'opération réussisse. Merci, Maman Marie. Bonjour à tous les pèlerins que je remercie de prier la Vierge Marie avec moi pour ma fille Béatrice qui vient de subir une grave opération et puis pour mon gendre qui est très, très, très malade. Je vous remercie de tout mon cœur. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, dans ce lundi du mois de juillet cette année, nous nous rapprochons de Notre-Dame comme Bernadette pour comprendre et apprendre à vivre en vrai enfant de Dieu, en vrai disciple du Christ ressuscité à l'école de Marie. La réflexion de Saint-Pierre Chrysologue et Saint-Ambroise vont nous soutenir pour méditer le mystère joyeux du rosaire, pour voir comment Marie, la jeune fille de Nazareth, a su répondre à l'appel de Dieu au salut du monde et son salut. Notre prière ici à la grotte de Massabielle rejoignent tous ceux qui, de chez eux, prient avec nous par la radio, la télé ou par Internet. Nous portons dans notre prière les intentions qui nous sont confiées, celles qui nous animent, qui habitent nos cœurs, celles du pape François et sa visite pastorale en Amérique latine. D'un cœur confiant et aimant, sous le regard de Marie, notre mère, nous professons l'acte de notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Marie dit à l'ange, « Comment cela va se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» Saint-Père Pierre Chrysologue nous dit, « La Vierge réfléchit, car répondre tout de suite est un signe de légèreté. Réfléchir avant de parler est le signe d'un jugement mûr et pondéré. » Marie reçoit Dieu dans son sein. Elle accueille le Fils de Dieu pour rendre la paix à la terre, la gloire au ciel, le salut aux condamnés, la vie aux morts. Marie, servante du Seigneur, nous te prions pour ceux qui accueillent le Seigneur dans les étrangers et les exilés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Deuxième mystère joyeux, la visitation. Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Saint Pierre Chrysologue nous dit, il sera rempli de l'Esprit Saint de le sein de sa mère. Vous voyez comme Jean parvient au ciel avant de toucher la terre. Le salut est le don de Dieu. Marie, étoile du matin, nous te prions pour les chrétiens qui ont peur de témoigner de leur foi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Marie, conçue sans péché, troisième mystère joyeux, la nativité. L'ange dit au berger, « Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. » Saint-Pierre, chrysologue, à ce mystère d'amour divin nous dit, « Le Christ naît pour régénérer la nature corrompue. Il a accueilli l'enfance. Il s'est soumis à la nécessité de manger. » Il a veillé d'an en an chaque année, et cela pour rendre céleste celui qu'il avait créé terrestre, l'homme. Marie, nouvelle Ève, nous te prions pour tous les enfants à naître. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, né à Bethléem, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au temple. En recevant dans ses bras l'enfant Jésus, le vieillard Siméon disait, « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Saint Ambroise nous dit, considérez ce juste qui désire être avec Jésus-Christ. Il reçoit dans ses mains le Verbe de Dieu. Il le tient embrassé, pour ainsi dire, dans les bras de sa foi. Il ne verra point la mort, parce qu'il aura vu de ses yeux celui qui est la vie. Marie, Mère de la vie, nous te prions pour les personnes en fin de vie, seule et abandonnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Marie, conçue sans péché, priez pour nous pécheurs. Cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. À Marie et Joseph qui l'ont retrouvé après 3 jours de recherche, Jésus leur dit: Pourquoi m'ayez-vous cherché? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? Saint Ambroise nous dit, il y a dans le Christ 2 filiations. L'une est de son Père, l'autre de sa Mère. La première par son Père est toute divine, tandis que par sa Mère, il s'est abaissé à nos labeurs et à nos usages pour devenir pour nous chemin vers la maison du Père. Marie, Mère de Dieu et Mère du Pardon, nous te prions pour les mères et les familles, pour qu'elles vivent dans l'angoisse, et dans le réconfort, les épreuves rencontrées dans la vie de leur enfant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Marie conçue sans péché, prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as donné dans la Vierge Marie un parfait modèle de charité et d'humilité. Accorde à ton Église de suivre comme elle le commandement nouveau, en se dévouant à ta gloire et au service des hommes, et en étant pour tous les peuples le signe de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave.
grotte. Parce que vous croyez au Christ. Vous croyez que Marie a été envoyée ici pour nous rencontrer comme elle a rencontré Bernadette et nous conduire à Jésus, notre Sauveur. La foi est celle qui doit animer notre vie. Mais on doit vraiment vivre notre foi, parce que la foi, ce n'est pas un cumul, un résumé de vérités à croire. La foi, c'est faire confiance et avancer avec le Christ au milieu de nos joies ou de nos épreuves. On constate souvent, et on l'entend presque chaque fois ici quand nous prenons le chapelet au début, il y a des intentions envoyées par vous, enregistrées, et nous les entendons. Mais presque toujours, on demande au Seigneur, par les mains de Marie, par l'intercession de Marie, de nous aider dans une maladie, dans des difficultés, dans la vie de famille, dans les difficultés dans la vie des enfants, des jeunes, pour pouvoir vivre avec l'espérance les moments du deuil. On rencontre souvent dans notre vie la douleur, la souffrance, la mort. Personne n'est pas épargné, ni le pauvre, ni le riche, ni le notable, ni l'homme de chaque jour. Tous, n'importe quelle vocation ou mission nous avons dans le monde, dans l'Église, tous nous rencontrons la douleur et la mort. Comment les affronter? L'Évangile d'aujourd'hui nous donne une réponse. Jésus était à Capharnaüm. Il annonçait l'Évangile. À un moment donné, le chef de la synagogue de Capharnaüm est venu demander à Jésus de venir chez lui parce que sa fillette de 12 ans est décédée. Jaïr, le chef de la synagogue, l'homme de la foi, ne peut pas se consoler voyant sa fille morte à cet âge-là. Il sait qu'il doit agir. Et alors, il se prend cette décision folle de rencontrer Jésus. Et en rencontrant le Christ, il ne lui demande pas de toucher sa fille, mais d'imposer les mains sur elle. Et Jésus va le suivre. Dans la foule qui suivait Jésus était une femme malade d'hémorragie. De 12 ans, elle avait cette maladie. Elle a dépensé tout son avoir avec le médecin, mais sa situation s'est aggravée. Alors, dans sa tête, pleine d'une foi habituelle, ordinaire, cette femme disait « Si je touche son vêtement, je serai guéri. » Animée par cette foi, elle s'approche, touche le vêtement de Jésus et sent dans son corps qu'elle a été guérie. Mais Jésus ne veut pas laisser passer cet événement sans suite. Il veut aider cette femme de progresser dans la foi. Elle dit, si je le touche, Jésus veut l'aider d'avancer dans la foi. Voilà pourquoi il demande qui m'a touché. Et alors cette femme va raconter tout ce qu'elle a pensé, comment elle a agi et pourquoi. Et Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvée. Maintenant, cette femme a une foi consciente, une foi qui agit en conscience. En allant vers la maison de Jaïr, Jésus trouve là les gens qui pleurent, d'autres qui ont commencé déjà à préparer l'enterrement de la jeune fille. Mais Jésus demande à Jaïr de lui faire confiance. « Crois seulement, lui dit-il. » Et Jaïr va suivre Jésus jusqu'à la chambre où la petite fille était décédée. Et là, il va assister à plus de ce qu'il a demandé. Il a demandé seulement que Jésus impose ses mains sur la petite fille. Jésus va lui rendre la vie. Il va la ressusciter. Ainsi, Jaïr va passer à une autre fois.
dans la foi, dans la résurrection, il va au-delà de ce qu'il attendait. Parce que Jésus l'a provoqué, parce que Jésus l'a soutenu, l'a accompagné sur son chemin. Nous avons la foi. C'est une foi vécue. C'est essentiel. Si Marie nous est donnée comme modèle, elle nous est donnée comme modèle parce qu'elle a cru la parole du Seigneur. Elle l'a vécue dans sa vie quotidienne. Voilà pourquoi cette foi est admirée par Élisabeth à la visitation. Élisabeth ne parle pas tellement du fait que Marie a été choisie d'être la mère du Sauveur. Elle dit « Heureuse celle qui a cru ». Ici, c'est le secret de notre salut. Dieu veut nous donner son don, son salut, si on lui fait confiance, si on avance à sa suite, comme Marie l'a fait, comme cette femme malade, comme Jaïr, dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Notre foi est une foi qui agit. C'est essentiel. Autrement, notre foi est quelque chose d'habitudinaire, habitude, coutume. Cette foi ne transforme jamais la vie. Cette foi ne peut pas sauver. En ce sens, imaginez-vous par exemple, on connaît beaucoup de choses de Jésus. Quand on va à l'église le dimanche, on entend presque les mêmes textes de l'Évangile. Ah, ça, je le connais, je suis habitué. Mais c'est une parole qui t'est adressée aujourd'hui même, à toi. Qu'est-ce que tu fais avec cette parole? Parce que ces événements, Jésus veut les revivre avec nous aujourd'hui. C'est le même Jésus qui nous accompagne, nous provoque dans cette parole divine que les apôtres ont vécu, expérimenté. Voilà pourquoi ils nous ont transmis ça dans le texte de l'Évangile. Avec confiance, demandons au Seigneur qu'il nous aide à progresser dans la foi, d'augmenter en nous la foi, pour vraiment nous laisser inspirer dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, de cette lumière divine qui ouvre le chemin de la vie éternelle pour tout homme qui souffre, pour tout homme qui meurt. Voilà pourquoi, avec Bernadette, je veux chanter avec vous la prière « Je vous salue, Marie ». Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Alléluia. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, Saint Joseph.